Il est à peine 8 heures, Holmes. Est-ce que vous attendez quelqu'un? Personne? Non, non, non. Oh, bonjour, monsieur Holmes. Oh, que je suis heureux de vous. Noir. Tenez, je m'excuse de vous déranger au saut du lit, mais j'ai besoin de vous. Oui, la situation se présente très mal. Oh, c'est un cas angoissant et même désespéré. Tenez, émaniez-le avec précaution, il est en poil de lion sauvage. N'est-ce pas? Vous comprenez, quand je vous aurai expliqué tout, voilà, mon nom est Harry Crocker et je suis dans les ennuis jusqu'au cou. Ah, si ma pauvre grand-mère me voyait en ce moment. Mon nom à moi est Dr. Watson. C'est ce monsieur qui est Sherlock Holmes. Tenez, monsieur Holmes, vous êtes le seul au monde qui puisse me sauver. Vous devez tout tenter pour me sauver, n'est-ce pas? Tout dépend de vous. Oui, ma vie, ma carrière, mon avenir, enfin tout. Oui, mais... Tout dépend de vous, monsieur Holmes. Oui, mais vous sauvez de quoi, monsieur Crocker? Et si vous en trouvez le temps, vous ne voulez pas vous asseoir? Oui. Hein? Merci, merci. Non, de meurtre, j'en ai peur. Quoi? Oui, on m'accuse de meurtre. Non. Moi? Oui, moi qui ne ferai pas de mal à une mouche. Pas même à une mouche morte. Moi qui m'évanouis à la vue du sang. Et on ose m'accuser de meurtre. Mais vous, monsieur Holmes, n'est-ce pas, vous qui possédez l'intelligence et la capacité et l'appétit de vivre, n'est-ce pas, vous avez de l'éducation. Crocker? Avez-vous dit Harry Crocker? Oui, c'est moi. Oui. Peut-être m'avez-vous vu faire mon numéro au théâtre. Le roi de l'évasion, c'est extraordinaire. Ni porte, ni chaîne, ni corde n'arrête Crocker, comme le disent les affiches à l'entrée. Oui, j'en suis sûr. Monsieur Crocker, qui vous accuse d'avoir assassiné quoi? Qui? Oui. La police. Quoi? Écoutez, les voilà qui entrent. Et qui disent, c'est vous qui l'avez tué, Harry Crocker. Moi? Et puis ils m'ont emmené sans un mot de plus. Oui, sans un mot de plus, vous entendez? Écoutez, Holmes. Oui? Cet homme est recherché par la police. Mais y a-t-il une photo de moi là-dedans? Est-ce qu'elle est bonne? J'espère qu'ils ont pris mon profil droit, c'est le meilleur. Qu'en pensez-vous? Il est dit ici que vous avez assassiné une jeune chorus girl appelée Sally Keane hier soir. Assassiné? Bah, je vais vous m'en débarrasser, c'est tout. Il semble que le résultat soit le même. Il est dit aussi que vous avez été arrêté par la police. C'est exact, c'est ce que je vous ai dit. Mais, n'est-ce pas, j'avais décidé de venir voir monsieur Holmes. Et alors, je suis parti. Quoi? Vous êtes parti? Oui. Mais comment? Attention, Holmes, cet homme peut être dangereux. Oui, mais... Non, n'ayez pas peur, Dr. Watson. Le souriant Harry Crocker, c'est ainsi qu'on m'appelle. Toujours aimable, toujours gai, même après une dure journée. C'est la police, elle a encerclé la maison. Ils ont dû me suivre. Je vais me cacher dans ce cabinet afin de ne pas vous mettre dans l'embarras, messieurs. C'est déjà fait. Nous n'avons pas l'habitude d'abriter les criminels en fuite. Oh, il n'est jamais venu à l'idée de vous demander de faire quoi que ce soit de contraire à votre conscience. Non, jamais de la vie. Réfléchissez, Holmes. On l'a vu monter ici. Vous êtes sur un terrain très glissant. Oui, très, très glissant. Oh. Et qu'est-ce que vous pensez de ça? Je n'en sais encore rien, inspecteur. Non, non, ce n'est pas du tout mon genre, mais si vous désirez voir son propriétaire, il est là, dans ce cabinet. Merci, Holmes, vous me rendez la vie. Donner abri à des criminels, s'opposer à la police dans l'accomplissement de son devoir, fournir de faux renseignements, c'est... C'est remarquable. Absolument remarquable. Je dois reconnaître que ce garçon possède vraiment à fond l'art de disparaître, Watson. Vous êtes d'accord? J'aurais préféré qu'il le pratiquât ailleurs qu'ici. Inspecteur, de quoi est accusé au juste Harry Crocker? C'est un meurtrier. Comme si vous ne le saviez pas. Oui, oui, j'avais réussi à comprendre ça. Mais quels sont les faits, mon cher ami? Il passe en vedette à l'Empire Music Hall. Hier soir, il est parti avec une des chorus girls. Cette Miss Sally King? Oui, c'est ce nom-là. Peu de temps après, elle a été retrouvée dans une ruelle, morte, étranglée. Eh, tout ceci ne prouve rien contre lui. Le portier a affirmé qu'ils se disputaient quand ils sont sortis. Et un vendeur de journaux a témoigné avoir vu Crocker repartir de la ruelle tout seul. Alors, tout ça ne prouve rien. Je crois que Lestrade tient son homme cette fois, Holmes. Et Crocker nie tout cela? Pas du tout. Il a reconnu la véracité de chaque témoignage, point par point. Mais alors, je ne comprends pas. Attendez!
Une petite minute. Nous avons eu une querelle, c'est juste une querelle. Mais je ne l'ai pas tué, et si je manque, je tombe mort. Vous? Mais d'où diable sortez-vous? Bravo, monsieur Crocker, permettez-moi de vous féliciter. J'appelle ça un miracle. Quoi? Un miracle, c'est inouï, mais entre nous, comment avez-vous? Pour sortir de là? Oui. Oh, simple. Une fois que vous avez appris, monsieur Holmes, les deux ou trois trucs élémentaires utilisés dans mon métier, le reste est un jeu d'enfant. Emmenez-le! Une fois de plus, je vous arrête pour meurtre, Crocker. Oh. Et un conseil, n'essayez plus un de vos tours ou ça ira mal pour vous. C'est moi qui vous le dis. Monsieur Holmes, cette fille voulait seulement tirer parti de ma personnalité. Oui, oui, j'avoue lui avoir peut-être souri une fois ou deux. Vous savez ce que c'est quand on est joli garçon. Mais c'est pas toi! Allez, emmenez-le et tâchez de ne pas le laisser s'échapper cette fois. Monsieur Holmes, je vous en prie, vous allez me sortir de là, n'est-ce pas, monsieur Holmes? Faites-le mieux, monsieur Crocker. Voyons, lâchez-moi. Suivez-les gentiment. Gentiment? Oui. Très bien, monsieur, mais n'oubliez pas. Ne craignez rien, je n'oublierai pas. À bientôt. Monsieur Holmes, vous promettez de ne pas m'oublier, n'est-ce pas? Vous promettez de me sauver? Vous me le promettez? Oh, si ma pauvre grand-mère me voyait en ce moment. Allons. Je vous préviens officiellement, Holmes. Ne vous mêlez pas de cette affaire. C'est vraiment remarquable, Watson, absolument remarquable. Comment diable a-t-il pu arriver à se dissimuler dans ce cabinet? Ne poussez pas l'estrade à bout, Holmes. Il y a longtemps qu'il guette l'occasion de vous avoir. Oui. Ça vous plairait de m'accompagner au music hall ce soir, Watson? Est-ce que vous êtes sur une piste, Holmes? Sur plusieurs pistes. Tout d'abord, j'aimerais savoir pourquoi Harry Crocker a tué cette femme, s'il l'a tuée. Et s'il ne l'a pas fait, pourquoi quelqu'un veut faire croire qu'il l'a fait? Non, je crois que Lestrade tient le coupable cette fois. Vraiment? Eh bien, nous verrons. Holmes. Dans la soirée, Holmes et moi allâmes faire un tour à l'Empire Music Hall. Pas pour nous distraire, malgré un beau clair de lune invitant à la détente. Nous bavardâmes un instant avec le vendeur de journaux, qui nous répéta ce qu'il avait dit à l'inspecteur Lestrade. Il se tenait au même endroit que la veille au soir, quand Crocker était passé devant lui, après avoir quitté le théâtre. Crocker était bien seul, et de plus de fort mauvaise humeur. Holmes le laissa parler sans poser aucune question. Oh, excusez-moi. Alors, vous venez, Watson? Oui. Bonjour, mon ami. Mon nom est Sherlock Holmes. Oh, est-ce possible? J'ai souvent entendu parler de vous. Mon nom à moi est Charlie Willis. Je suppose que vous venez pour ce pauvre Harry Crocker. Quelle histoire. Oui, en effet. Dites-moi, existe-t-il une autre issue menant des coulisses à l'impasse derrière le théâtre? Oh non, monsieur. Le seul autre moyen de sortir est sur le devant de la maison. Donc, quiconque se rendant d'ici, dans cette impasse, doit obligatoirement passer devant vous? Oui. Je présume que vous restez là pendant toute la durée de la représentation. Oui, je comprends votre idée, monsieur. Mais comme je l'ai dit à la police, à peine Harry dehors, elle a couru après lui en criant « Ouh !» comme si elle avait tué le diable à ses trousses. Et quand l'avez-vous revu? C'est lorsque Miss Zaza est arrivée par cette porte en hurlant. J'ai couru dehors et je l'ai trouvée par terre. Morte. Donc j'en déduis que ni Monsieur Crocker ni Miss King n'ont repassé cette porte hier soir après que vous les avez vus partir. C'est malheureusement exact, Monsieur Holmes. Oui, Holmes, je pense que l'inspecteur Lestrade tient une affaire faite sur mesure. À condition, bien sûr, que l'inspecteur soit lui-même à sa mesure. Cette Miss Zaza, où pourrions-nous la trouver? Dans sa loge. Laquelle est-ce? Toutes les girls utilisent la même. C'est la deuxième porte à gauche dans le couloir. Oh, je vous conseille de frapper avant d'entrer. Nous sommes des gentlemen, monsieur. Nous frapperons, monsieur Willis. Merci beaucoup. Mais de rien. Watson. Ça a été un plaisir de vous rendre service, messieurs.
Qu'est-ce que vous voulez? Excusez-moi, madame, j'aimerais dire un mot à Miss Zaza, si c'était possible. Non, c'est impossible, elle s'habille. C'est une loge d'artiste, pas un salon. Oui, mais je... Plus vite, plus vite, cocher. On a droit, au roi du roi. Continuez sans moi. Monsieur Holmes, je savais pouvoir compter sur vous. Bonsoir, docteur Watson. Quel plaisir de se revoir. Oui, mais Crocker, la police. Mais je pense qu'elle ne va pas tarder. Comment vous êtes-vous enfui cette fois-ci? Un petit tour à gauche, un autre à droite. Et pendant qu'il regardait d'un côté, je suis parti de l'autre. Monsieur Holmes, m'avez-vous disculpé? Eh bien, pas tout à fait, Harry. J'y serais peut-être arrivé si j'avais pu parler à Miss Zaza. Mais malheureusement, un Cerbère en jupon ne veut pas nous laisser entrer. Oh, c'est Messi! Oui. Attendez-moi ici un moment. Si vous voulez entrer, messieurs. Cette situation est extrêmement gênante, Holmes, vraiment. Je m'en pardonne. Messieurs, voici Miss Zaza, chanteuse extraordinaire. Maintenant, dites à Monsieur Holmes tout ce qu'il veut savoir et ne soyez pas timide. J'essaierai, Harry. Que voulez-vous que je vous dise, monsieur? Je m'excuse de vous déranger dans cette tenue, Miss Zaza, mais... Oh, j'ai l'habitude. On m'a dit que c'est vous qui avez découvert le corps de Miss King. Oui, c'est exact. C'était vraiment horrible. Une minute avant, elle était ici, assise à côté de moi, exactement où vous êtes, monsieur Holmes. Je pouvais la toucher. Et puis là, c'était horrible. Oui, sûrement, ça devait être horrible. Donc vous étiez ici quand Miss King est sortie de scène hier soir, est-ce exact? Bien sûr, elle a fait irruption dans la loge comme une vraie furie. Elle a arraché son costume. J'avoue qu'elle n'avait pas grand-chose sur elle. Elle a enfilé sa robe et puis elle est ressortie en courant. Oui, c'est ça. Donc elle avait l'air très pressée de voir monsieur Crocker. Oh, je vous crois. Je voudrais pas répéter ce qu'elle a dit. Vous me comprenez? Oui, naturellement, nous vous comprenons tous. Donc, pour nous résumer, Miss King s'est hâtée de changer de vêtements et ensuite elle... Elle a mis son médaillon. Médaillon? Ah, les voir, emparez-vous de lui. Ah, ne le laissez pas s'échapper cette fois. Je vous dis que c'est une erreur, vous me faites mal, aïe, aïe. Voulez-vous me lâcher? Oh, mon chapeau, c'est une erreur judiciaire. Lâchez-moi, au secours. Les filles, sauvez-moi. Non, écoutez, vous arrêtez un innocent, vous entendez? Un innocent. C'est bien que je vous trouverai tous ici. Cette fois, il va falloir vous expliquer, monsieur Holmes. Avec plaisir, mon cher Lestrade. Mais avant, laissez Miss Zaza achever de révéler ce qu'elle sait. Qu'est-ce qu'elle peut bien savoir? Oh, je voulais seulement dire que Sally possédait un médaillon car il lui avait offert quand on avait débuté ici. Elle le quittait pour entrer en scène, mais elle n'oubliait jamais de le remettre tout de suite après. Médaillon? Qu'est-ce que c'est d'histoire de médaillon? Un colifichet, il n'avait aucune valeur. Est-ce que Miss King portait ce médaillon hier soir avant de quitter le théâtre? Oh oui, comme toujours, elle disait qu'elle ne voulait pas mourir sans lui. Oh. Ah. A-t-on retrouvé ce médaillon sur le corps, Lestrade? Il ne s'est pas changé depuis hier soir. Et nous n'avons jamais pu le garder assez longtemps pour le fouiller. Écoutez, je peux tout expliquer, inspecteur. Tout expliquer, absolument tout. Je suis innocent, vous entendez? Je suis innocent. Je... Oh, pauvre Harry. Pourquoi l'avez-vous tué? C'est pas souvent qu'on a des visiteurs à cette heure-ci, même avec l'autorisation de la police. Tenez, là la pauvre gosse. Oui. Et les vêtements qu'elle portait, pourrais-je les voir? Bien sûr, je vais vous les chercher. Merci. Morte étranglée. D'après l'emplacement des marques de doigts, il est évident qu'elle faisait face à son agresseur. Oui. Cependant, ses ongles, qui sont pourtant longs, ne révèlent aucune trace de lutte. Je ne vous suis pas, Holmes. Holmes! J'étais sûr. Voyez ce que vous avez fait. Vous n'avez tenté ni de me frapper ni de vous débattre. Vous m'avez repoussé les mains, c'est tout. Mais oui, vous avez raison. Pourquoi? Bah, je ne voulais pas vous frapper. Pourquoi? Je ne voulais pas vous faire de mal. Mais je vous serrais le cou. D'accord, mais je n'ai pas pris ça au sérieux. Exactement. Mais où voulez-vous en venir? Vous ne m'avez pas pris au sérieux parce que vous me connaissez bien. Mais si mon attaque s'était produite à la fin d'une dispute terrible... J'aurais sûrement agi différemment. Ah, enfin vous y arrivez, Watson.
Mon Dieu, Holmes, vous voulez dire que si elle et Crocker s'étaient disputés, elle lui aurait griffé le visage? Oui, mais elle ne l'a pas fait. Donc la personne qui l'a attaqué était bien connue d'elle, et Harry Crocker dit la vérité. Et le problème devient alors qui ment? Tenez, les voilà. Telle qu'on les lui a enlevés. Oh, pardon de vous avoir dérangé, mais je crois que nous n'en aurons plus besoin. Et merci beaucoup pour votre complaisance. De rien. Et maintenant, Holmes? Nous retournons au théâtre, et je ne serais pas surpris qu'il y ait un numéro imprévu ajouté au programme de la revue. Oh, monsieur Holmes. Oui? Docteur Watson, la police a demandé après vous à l'instant et... Ah, où l'avez-vous caché cette fois, hein? Caché qui? Ah, Harry s'est échappé à nouveau. Quel garçon extraordinaire, vous ne trouvez pas? Si vous êtes responsable de ça, Holmes. Réfléchissez, inspecteur Holmes et moi venons d'arriver ici. Et enfin, ce n'est pas la première fois qu'il vous glisse entre les doigts, je crois. Ça me surprend, vous, docteur Watson. Avec votre réputation, votre passé militaire être mêlé à ça, ça me surprend douloureusement. Excellent portrait de Fumish King, vous ne trouvez pas, Holmes? En des temps meilleurs, Watson. Vous avez entendu? Oui, qu'est-ce que c'est ça? Vous encore, Harry? Pas de flics dans les parages, j'espère. Je tiens à vous avertir que l'inspecteur Lestrade veille à la porte. J'ai dû me glisser là-dedans pour leur échapper. Mais l'ennui, c'est que jamais de ma vie je n'ai pu réussir ce tour de la malle. Mon père, lui, en était le roi. Ouais, j'ai de la chance que vous soyez là pour l'ouvrir. Tout ça est passionnant, Harry. Vous voulez dire qu'il est possible de sortir d'un de ces paniers sans aide extérieure? Pouf! Mon père l'aurait fait 100 fois de suite. Au cours de certaines exhibitions, on leur fermait à clé à l'intérieur, puis on le jetait à la rivière, et hop, ils remontaient avec le sourire. Quel grand bonhomme, Dieu ait son âme. Ça veut dire qu'il est mort. La dernière fois qu'on l'a jeté à la rivière, oui. C'est bien ce que je pensais, attrapez-le! Non, lâchez-moi! Lâchez-moi! Mais vous me faites mal! Aïe! Non, lâchez-moi! Allez, vous me lâchez! Aïe! Cette couverture m'étouffe, j'étouffe. Laissez-moi respirer. Je suis innocent, j'ai rien fait, je vous le jure. Monsieur l'inspecteur, écoutez. Vous me croyez, n'est-ce pas? Je vous en supplie, croyez-moi, je suis innocent. Ce n'est pas moi qui l'ai tué, inspecteur. Oui, je l'ai emmené après le spectacle une ou deux fois boire un verre. Et après, eh bien, nous allions danser un peu, mais c'est tout, je... Et maintenant, on va vous mettre dans un endroit où vous serez gardé nuit et jour. Vous avez joué les étoiles filantes pour la dernière fois, croyez-moi. Ah! Non, écoutez, lâchez-moi. Enlevez ça. Attendez un peu, inspecteur. Dites-moi, Harry, quand Miss King est entrée dans la troupe à Manchester, est-ce que vous la connaissiez déjà? Non, j'ai fait sa connaissance à Manchester. C'était ses débuts sur scène. Une piquée du théâtre, vous voyez le genre. Oui, une petite minute, Holmes. Comment savez-vous que cette fille avait été à Manchester? Mais toutes ses robes portent la marque d'un magasin de cette ville. Et ce portrait d'elle a été dessiné et signé à Manchester. Ainsi que la date vous l'indiquera, mai 1897. Oh, Harry, j'ai pratiqué à plusieurs reprises ce qu'on appelle l'effraction, tout à fait en amateur, bien entendu. Alors je me suis demandé si par hasard ce petit bout de fil de fer, même utilisé par un amateur, ne pourrait pas faire fonctionner cette serrure. Est-ce qu'en le faisant passer par là, comme ceci, on ne c'est pourrait pas... C'est une très bonne idée, oh, voilà, ça vaut la peine qu'on l'ait assez comme ça, Holmes, des sottises de genre dans un moment aussi grave. Faites-le sortir d'ici. Hé! Excusez-moi, inspecteur. Venez ici, vous allez le tenir, le tenir solidement, hein? Regardez, mais pas de cette façon-là, non, pas comme ceci. Quoi? Comme ça, à demain, vous entendez? À demain! Allez-y doucement! Non! Voyez! Hé, monsieur Holmes, lâchez-moi! Allez-vous me lâcher, espèce de gorille! C'est une honte, je suis innocent! Sur la tête de ma pauvre grand-mère, je suis... Et si je termine l'affaire, Harry Crocker? Lâchez-moi! Monsieur Holmes! Ma foi, Holmes, je... Mon pardon, je pensais à des choses sérieuses. Oh, c'est de ma faute, docteur Watson. Oh, regardez, j'ai mis plein de maquillage sur votre pardessus. Oui, naturellement. C'est ça, inutile de vous excuser, mon enfant. Nous vous devons tous beaucoup. Vous me devez quoi? Vous venez de prouver qu'Harry Crocker ne peut absolument pas être le meurtrier de Miss King. Quoi? Hé, Lestrade, ça vous ennuierait de venir jusqu'ici avec Harry? Qu'est-ce que vous voulez encore, Holmes?
Maintenant que tout est réglé, mon cher Harry, j'aimerais que vous essayiez le tour de la malle pour moi. Ah, mais non, pas question, Holmes. Tout est loin d'être réglé. Loin d'être réglé. Je dois dire, Holmes, que même moi, j'ai de la peine à comprendre votre façon d'agir. Réellement, Watson, à propos de quoi? À propos de meurtre, Holmes. Une femme a été assassinée, ne l'oubliez pas. C'est indiscutable, Lestrade. Et si j'étais à votre place, je consacrerais mon temps à démasquer le véritable meurtrier et je cesserais d'ennuyer Monsieur Crocker. Très juste, alors ne m'ennuyez plus, compris? Ne m'ennuyez plus! Si hein? Vous croyez que ça va se passer comme ça... Je vous demande pardon. Willis! Oui? Vous avez besoin de moi, Monsieur Holmes? Pas moi, Monsieur Willis. Pas moi, mais l'inspecteur Lestrade, oui. Pour meurtre. Mais... Je ne comprends pas, Monsieur Holmes. Alors, je vais vous expliquer, Monsieur Willis. Si nous parlions tout d'abord du point commun entre vous et Miss King, vous avez tous deux habité pendant de nombreuses années Manchester. Oui, mais ça ne signifie pas que je l'ai... Ses vêtements et son portrait viennent de Manchester. C'est également là qu'elle a fait ses débuts au théâtre. Monsieur Willis, de son côté, porte l'insigne d'une école de Manchester. Il a décoré les murs avec les fanions d'une équipe de cricket de la ville, lui prouvant ainsi un louable attachement. Enfin, pour couronner le tout, eh bien, il vient de l'admettre lui-même. Je parierais aussi que c'est vous qui avez dû lui procurer son emploi dans la revue. Oui, alors? Elle savait danser gentiment, elle était très jolie, alors... Alors vous avez trouvé qu'elle gaspillait sa beauté avec Monsieur Crocker? Oui, je lui ai déconseillé de le voir, c'est vrai. Après tout, je me sentais responsable d'elle, puisque c'était moi qui l'avais fait draguer. Pas responsable, Monsieur Willis. Jaloux. Et jaloux jusqu'à tuer. Ce n'est pas vrai, non. Je l'ai vu courir après Harry, et... Quand je l'ai revue, elle était morte. C'est ce que vous dites. Ce qui fait que toute l'accusation contre M. Harry Crocker ne repose que sur votre témoignage. Mais vous avez négligé un petit détail. Que voulez-vous dire? Miss King est en effet sortie parler à Harry. Et en effet, ils se sont querellés. Mais ensuite, il l'a quittée. Et elle est revenue. Est-ce exact? Non, c'est faux. Elle n'a jamais repassé cette porte. Les poignets et le col de son corsage portaient des traces de son maquillage de scène lorsqu'on a découvert son corps. Et cependant, elle-même n'avait de maquillage ni sur le visage ni sur les mains. Nous l'avons constaté, n'est-ce pas, Watson? Absolument aucun, inspecteur. Bravo, Holmes. Miss Zaza est témoin que Miss King n'a pas eu le temps d'enlever son maquillage avant de courir après Harry. Donc, puisqu'elle a été retrouvée morte sans aucun maquillage, c'est qu'elle était revenue et l'avait enlevée. Et quand elle est revenue, Monsieur Willis... Eh bien, je ne sais plus où j'en suis. Arrêtez-le! Oh, si je m'écoutais, Charlie, je vous flanquerais une de ces raclées. Elle m'a fait croire qu'elle m'aimait jusqu'à ce que je la fasse engager. Elle se fichait autant de moi que d'Harry. Avec l'argent qui l'intéressait. Elle a eu ce qu'elle méritait. Emmenez-le. Holmes. Voyons, où est-il passé? Mais j'en sais rien. Pourtant... Écoutez. Vous êtes arrivé, monsieur Holmes? Vous y êtes arrivé? Oui, enfin. Oui, j'y suis arrivé, regardez. En pressant sur ce ressort ici, je permets à ce fil de fer de passer et d'atteindre ce petit loquet qui se trouve à l'intérieur, vous voyez? En appuyant ensuite sur le fil de fer pour l'amener à angle droit, j'attire le loquet contre ce bouton qui commande l'ouverture du dit loquet, et alors la serrure s'ouvre, et il ne reste plus qu'à soulever le couvercle. Non, oui, vraiment, quel garçon étonnant, Charles. Avec lui, il faut s'attendre à tout. Très juste, très juste. Et surtout, c'est extraordinaire le talent qu'il a pour éclaircir un mystère. Vous trouvez? Mais oui, pas vous. Oh, oui, bien sûr, Holmes, c'est certain, possède ce talent, mais entre nous, Lestrade, je dois dire qu'à mon avis, nos dernières affaires étaient plutôt faciles. Ah oui, c'est bon. Oh oui, vraiment.